conciencia. Florimont, 32 ans, bientôt 33, capitaine du Paris Basket, joueur intérieur, poste 4-5. J'ai été formé au Cholet Basket, qu'on ne présente plus dans le milieu, avec la génération de Colo, Beaubois, etc. Ça fait maintenant, je crois que je vais boucler ma 14e saison pro, que j'ai alterné entre Pro B et Pro A. Et puis voilà, que dire de plus, joueur avec de l'expérience, si on croit mon sommeur, mais en même temps, j'ai beaucoup d'autres passions à l'extérieur, d'autres que le basket, et je suis aussi étudiant à EM Lyon Business School. D'accord, ok, ça marche. Je pense qu'on va, revenir là-dessus plutôt sur la fin de la vidéo, mais ça marche, ok. Alors, on va évidemment pas faire un copier-coller de la conférence de presse que tu as donnée avec le Paris Basket, mais je voudrais juste commencer par ta formation. Je sais que tu as déjà un peu abordé le sujet. Je voulais te demander comment tu as vécu les premiers obstacles que tu as rencontrés et, entre guillemets, de quelle manière tu les as contournés. Les premiers obstacles que j'ai connus en centre de formation, c'est bien sûr la compétition intra-joueur, parce qu'au centre de formation, on sait que c'est quelque chose qui est très sélectif et que les places sont très très chères. Donc, on va dire que comment je les ai surmontées. Les premières difficultés, ça a été de garder sa place année après année, puisqu'on arrive au centre de formation, on arrive généralement en cas des premières années. Et puis, même si on signe un contrat avec le centre de formation, généralement qui est sur 4 années de formation, mais rien n'empêche qu'au bout de la première année, on soit orienté gentiment vers la sortie parce qu'on n'a pas répondu à un certain nombre de critères d'évolution, de progression, etc. Donc moi, dès ma première année, j'ai été confronté à cette réalité puisque Cholet a énormément réfléchi à me garder dans ses rangs. Donc ça a été quelque chose de très difficile, mais que bon, j'ai eu la chance d'avoir une deuxième chance. Et j'ai eu justement ma famille qui était là un petit peu pour me soutenir, mais je veux dire, le soutien, il est surtout venu de moi-même, en fait. C'était quelque chose de difficile, mais c'est vrai que j'ai su trouver les ressources individuellement, mais ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et par la suite, en fait, si tu veux, avec les années, mes premiers soutiens, ça a été mes coéquipiers. Ouais. Mes coéquipiers, parce que ça devient, quand tu es en cette formation, tes coéquipiers, ça devient ta famille, parce que c'est eux qui partagent ton quotidien, parce que malheureusement, ta famille, tes proches, ils ne savent pas vraiment ce que c'est, parce que à moins de quelques exceptions, mais de moi et ma famille, personne n'a fait de sport. Et c'est le cas de la plupart des jeunes athlètes, hein, à part des fils d'eux qui suivent un peu le même chemin que leur père ou leur mère. Donc, on va dire, les premiers soutiens, ça a été les coéquipiers. Ok. Ok, ça marche. Et je pense que c'est à peu près vers cette période que tu commences à, je ne sais pas si c'est chercher ou si on vient de chercher, mais il y a des agents, j'imagine, il faut que tu choisisses à un moment un agent. Comment ça s'est passé pour toi, le choix de ton agent? Et d'après toi, qu'est-ce qui a, entre guillemets, qu'est-ce qui te permet, quels sont les critères qui te permettent de choisir un bon agent? Moi, mes premiers contacts avec les agents, ça a été à ma première sélection en équipe de France U18. Ouais. J'avais 17 ans et des poussières, et en fait c'est là où ça a été vraiment quelque chose auquel j'ai dû me confronter, et ça a été, si je peux le nommer, ça a été comme sport avec Bouna Ndiaye à l'époque et ses associés. Et si tu veux, moi j'avais pas d'agent, en fait. Et la première fois, en fait, je me suis rendu en équipe de France, et en fait je me suis rendu compte que la plupart des mecs avaient tous des agents et qu'ils avaient signé déjà ce qu'on appelle les contrats d'aspirant pro. Donc, tu as plusieurs contrats, tu aspirant pro, stagiaire, ensuite tu passes pro. Et en fait, moi, j'étais en équipe de France et j'étais le seul qui n'avait pas de contrat. En fait, j'étais toujours sous le contrat de centre de formation, quoi. OK. Du coup, ça a été vraiment mon premier contact. Tous les autres m'ont dit, il faut que tu trouves un agent, etc. Parce que, faut savoir qu'à cet âge-là, généralement, tu commences à être rémunéré, en fait, en fonction des contrats aspirants et des points que tu peux avoir grâce aux équipes de France. C'est-à-dire que plus tu participes à des campagnes européennes ou des sélections, tu engranges un certain nombre de points, et ces points ont certaines valorisations, en fait.
quand tu es en aspirant. Donc, tu as un minimum salarial. On ne parle pas de grand-chose. On parle de 200, 200, 300 euros. Mais quand tu as 17 ans, avoir 200, 300 euros d'argent de poche, on va dire que c'est plutôt pas mal, quoi. Ça te permet de payer ton forfait téléphonique à l'époque. Ça te permet de petites sorties cinéma, des choses comme ça, quoi. Donc, en fait, ouais, mon premier contact a été à cet âge-là. Et moi, la réflexion, elle était assez simple. À l'époque, moi, Buna India, c'était l'agent français le plus connu. Et la plupart des mecs de l'équipe de France étaient représentés par lui. Donc, ça a été automatique, en fait, que je m'oriente vers lui en tant qu'agent. Ok, ça marche. Et je vais te demander, le basket, à la base, c'est un loisir, c'est une passion. Pratiquement tout le monde, tous les basketteurs l'ont, cette passion, ils font ça pour s'amuser. Mais au bout d'un moment, quand tu deviens pro, tu as beaucoup d'exigences, tu as beaucoup de travail. Est-ce que tu arrives toujours, au fil des années, à vraiment kiffer, à vraiment vivre ça comme une passion plus qu'à un métier, en fait? Pour être honnête avec toi, ça fait quelques années déjà que le basket, c'est plus ma passion en tant que telle. D'accord. Souvent, en fait, c'est marrant parce que les gens disent « Ah, mais tu as de la chance et tout, ton métier, c'est ta passion. » Et souvent, je leur explique que ouais, mais une passion, qu'on fait une passion, par exemple, si une passion c'est la peinture, tu peins ce que tu as envie de peindre. Ouais. Tu peins des arbres, des modèles, une tasse, une pomme. Sauf que quand tu es basketteur professionnel, ben en fait, tu as une certaine exigence. C'est-à-dire que si je suis un joueur intérieur et que moi ma passion c'était de shooter à trois points, de faire des dribbles entre les jambes, ben au final, en fait, tu fais plus ce que tu aimes, tu fais ce pour quoi tu es bon. D'accord. Et là, pour moi, la vraie différence avec la passion, elle est là, en fait. Et souvent, tu vas entendre les entraîneurs qui disent « Ouais, ben, le basket, il faut que ce soit ta passion, il faut que tu manges basket, il faut que tu bois pas quoi. » Le problème, c'est que oui, pour un entraîneur, il fait sa passion. C'est entraîner, manager. Sauf qu'un basketteur, c'est pas parce que tu es un shooter à trois points que c'est ce qui te fait kiffer. Ça se trouve, toi, tu veux juste mettre des gros tomards, mais tu n'as pas les capacités. Donc, du coup, pour vivre de ta passion, il faut que tu fasses vraiment ce pour quoi tu es bon. Et en fait, pour moi, la nuance, elle est vraiment là. Et moi, ça fait longtemps que sur un terrain de basket, j'ai arrêté de faire ce qui me passionnait. Je fais ce pour quoi je suis bon et ce pour quoi je suis payé. D'accord, ok. Et ce changement, entre ce déclic, tu l'as eu à peu près à quel âge, tu te rappelles ou pas? Ce déclic, tu l'as très tôt parce qu'en fait, tu te rends compte au final que si tu veux, parce qu'on fait ça aussi pour gagner notre vie, donc à un moment donné, en fait, il faut que tu te spécialises en fait, à un moment donné. Et en fait, rares sont les joueurs qui ont la capacité et le talent de pouvoir faire tout sur un terrain. Ouais. Donc, en fait, il faut que tu spécialises en fait, pour que, en fait, que tu sois connu pour une spécificité, le rebond, le shoot à trois points, être un meneur de jeu, être un passeur, organisateur, etc. Et en fait, tu te rends compte que, au final, il faut vraiment que tu axes ton progrès, tu donnes un axe à ta progression. Et aussi, il faut que tu puisses être bankable pour les clubs. C'est-à-dire que le mec, quand il te recrute, il faut qu'il puisse avoir une spécificité en dire que c'est un mec qui est. C'est un mec qui est vaillant, même pas, mais c'est un mec qui est un rebondeur, c'est un mec qui est bon au post-up, c'est un mec qui a bon vintage shoot, etc. Bien sûr. Ça marche. Et tu as eu une belle carrière, du coup, elle s'est fait exclusivement en Pro B et Pro A, si je dis pas de bêtises. Pour quelle raison tu t'es jamais expatrié hein? Tout bonnement, je vais répondre très en toute honnêteté. Je pense que c'est parce que je n'ai pas vraiment suscité l'intérêt à des clubs. À l'étranger ou parce qu'à un moment donné j'ai peut-être manqué aussi de courage que j'ai à un moment donné ça se trouve j'ai pas su saisir l'opportunité ou j'ai pas eu envie de prendre des risques à un moment dans ma carrière puisque c'est aussi un risque de partir à l'étranger donc je pense qu'il y a deux possibilités soit tu es un joueur reconnu de ton championnat de la Pro A ou la Pro B et dans ce cas c'est facile pour toi de t'exporter à l'étranger parce que tu fais partie de l'équipe de France ou tu as fini meilleur marqueur de ton championnat, etc., meilleur rebondeur, ou tu prends ton courage à deux mains et tu passes par des championnats un petit peu exotiques, on va dire. On peut le voir dernièrement, je crois que j'ai vu passer un article sur Alexandre Gavrilovic qui, lui, est un joueur de Pro B et je pense qu'il a saisi, il a pris son courage à deux mains, il est parti dans les Balkans, etc., et il s'est fait son nom hors France. Alors qu'en France, il était catalogué comme un joueur Pro B. Aujourd'hui, il joue à Minsk et puis il peut prétendre à beaucoup plus. Ok. Et justement, entre ces deux championnats, la Pro A et la Pro B que tu as bien connu, est-ce que tu trouves qu'il y a des différences dans le jeu et si oui, lesquelles? Je me rappelle lors de ma première saison au Pro A, je disais quelque chose qui surprenait beaucoup les joueurs de Pro A, notamment les Américains qui ne connaissaient pas la Pro B. Et je leur disais que je trouvais, en ce qui me concernait, la Pro B beaucoup plus dure que la Pro A. Je m'explique. En Pro A, il y a beaucoup plus de joueurs spécialisés. C'est-à-dire qu'en Pro A,
pour survivre en tant que joueur français, pas américain parce que c'est un autre contexte et c'est d'autres demandes, mais tu peux très bien faire une bonne carrière de joueur français en Pro A en étant spécialisé. C'est-à-dire que tu es un mec, tu mets 6, 7 points, tu prends 3, 4 rebonds, tu peux faire ta carrière en Pro A. Mm-hmm. Alors qu'en Pro B, il faut que tu puisses faire un peu de tout. En sachant que généralement, tous les mecs de Pro B veulent aller en Pro A, comme tous les mecs de N1 veulent aller en Pro B, et forcément, tu te retrouves où le basket et il y a beaucoup moins de qualité. Donc, en Pro B, les joueurs qui s'en sortent sont très talentueux. C'est les mecs qui peuvent faire la différence à eux seuls. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir dribbler, marquer tout seul. Alors qu'en Pro A, en fait, tu peux avoir être un joueur un peu moins talentueux, mais plus besogneux. À l'image un peu de mon copain Jacques Alain, par exemple, qui est un joueur de devoir par excellence et qui fait une très belle carrière en Pro A. Parce que justement, dans un collectif et dans une équipe qui joue bien, c'est un joueur qui arrive vraiment à s'exprimer. Un mec comme Wilfried Yguéte à Monaco fait une très belle carrière parce que ces mecs-là, c'est des mecs que tu les mets dans un collectif qui tourne bien, c'est des mecs qui vont finir, c'est des mecs qui sont vaillants, qui défendent dur. Donc en fait, ces qualités-là, elles sont mises en avant. Alors qu'en Pro B, si t'es pas capable de sortir un peu du lot individuellement, c'est un peu plus compliqué de surnager. Je vois ce que tu veux dire. D'accord. Mmh. Et pour sortir du jeu, plus pour parler des relations entre joueurs, on parle souvent, on dit souvent que la NBA des années 80, les joueurs, les relations entre joueurs, c'était vachement tendu, ils ne s'aimaient pas forcément, il y avait beaucoup de rivalité. Aujourd'hui, c'est en train de s'inverser un peu. On voit des mecs comme LeBron James, ils serrent la main, ils font des câlins à tous les joueurs. Toi, tu as dû souvent rencontrer les mêmes joueurs, vu que tu as joué dans deux championnats pendant toute ta carrière. Comment est-ce que tu décris les relations entre joueurs, justement, en France ? Je pense que les relations, je pense qu'elles sont respectueuses parce que tu sais, il y a le truc real recognize real, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on se rend compte que déjà, les joueurs sont beaucoup plus volatiles, les joueurs changent beaucoup plus de club. À l'époque des années 80 NBA, un joueur pouvait faire toute sa carrière dans une franchise. Donc, le mec, c'était vraiment chez lui, ça devenait vraiment son club. Et du coup, le mec, il défendait bec et ongle. Donc, du coup, tu avais des rivalités qui naissaient limite entre villes, quoi. Mm-hmm. Alors qu'aujourd'hui, bon, les joueurs, en fait, on change tellement de club que c'est difficile, vraiment. On le fait. Hein. Quand on joue dans un club, c'est notre club, c'est le maillot, on le défend, on donne tout ce qu'on a, on donne toutes nos tripes. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile, en fait, d'incarner un club et surtout de se l'approprier quand tu sais que tu es là pour un an, deux ans. Ouais. Donc, il y a beaucoup de respect, je pense que c'est ce qui se passe avec les joueurs américains, c'est qu'en fait, tu sais, quand tu passes un match contre un mec et qu'on se rentre dedans pendant tout le match, mais avec respect, et que les deux savent que voilà, on s'est donné à fond, que ça a été un vrai match de basket, techniquement, physiquement, etc., il y a un vrai respect qui naît entre les joueurs. Et ça, peu importe le niveau auquel tu joues, tu le vois, tu as des pros qui vont faire des tournois l'été et qui jouent contre des mecs qui jouent en National 2, National 3, mais ils savent que c'est des vrais joueurs de basket. Ouais. Et tu vois, et que tu dépasses un peu en fait cette finalité de dire moi je joue en Pro A, toi tu joues en N1. Non, on est tous des joueurs de basket. Et en fait, ce qui est plus important, c'est ce que tu vas me prouver là au moment T. Bien sûr, ok. Ouais, puis comme tu dis, après, comme à l'époque, ils passaient toute leur carrière dans un club, c'est pas comme aujourd'hui où tu vois des Westbrook, puis d'un seul coup ils jouaient avec Harden et la même chose de la même manière. C'est sûr. Ok. Et toi, aujourd'hui, avec le recul, est-ce qu'il y a une chose dont tu es particulièrement fier dans ta carrière ? Moi, un truc que je suis fier, c'est moi, je me suis rompu le tendon d'Achille. Et ça a été... Parce qu'en fait, tu sais, gagner des matchs, ça fait partie du job. Tu vois, gagner des matchs fait partie du job. Et en fait, la plupart, tu te rends compte que dans une carrière, tu passes plus de temps à travailler et pour un collectif, à essayer de faire progresser un collectif, de travailler pour toi-même. On le fait pendant l'été, hein. Mais sur un ratio, sur une carrière, tu passes énormément de temps à travailler pour que le jeu collectif soit huilé, etc. Et en fait, quand tu as une blessure, en fait, c'est vraiment le seul moment où tu es vraiment à disposition de ton corps, en fait. Parce que sinon, ton corps est à ta disposition. Tu lui demandes de réagir, tu lui demandes de sauter, de progresser, de faire des choses. Et là, en fait, ma blessure, c'était vraiment un moment où j'ai passé un moment avec moi-même à me dire que voilà, là, il n'y a pas de coéquipier pour t'aider, pour te mettre une petite tape sur les fesses, pour dire allez grand, remets-toi dedans. Là, t'es vraiment face à toi-même. Donc ça a été un vrai challenge pour moi de revenir. Alors certes, je ne suis pas revenu, je ne suis pas le joueur que j'étais avant et je n'essaierai même pas de comparer. Je ne veux pas dire que je suis meilleur ou moins bon, mais je suis assez fier de la façon dans laquelle je suis revenu. Ouais, ça ne m'étonne pas, ce n'est pas anodin. En plus, comme blessure, tu t'es blessé à quel âge ?
Je me suis blessé à 27 ans, attends, 27 ans, 28, ouais, 28 ans à Nancy. D'accord. Okay. Et est-ce que, à l'inverse, est-ce que tu as des regrets ou des choses que tu aurais appréhendé différemment avec le recul? Pour revenir à ce que je te disais sur le départ à l'étranger, je pense que si je devais revenir des années en avant ou si je devais donner un conseil à un jeune joueur, c'est je lui dirais de ne pas avoir peur. Pas avoir peur parce que je pense que la vraie différence avec les joueurs à l'étranger, c'est qu'en fait, ouais, les mecs, des fois, tu te retrouves des Slovènes qui jouent en Espagne à 20 ans, 21 ans. Des mecs, ils n'ont pas peur de partir de chez eux. Et je pense que les joueurs français, avec toutes les qualités qu'on a en étant jeunes, si on n'a pas la capacité de passer le gap en France, de pas avoir peur de partir à l'étranger. Soit je vois un mec comme Amad Mbaye, il est sorti de la fac aux États-Unis. Je sais pas si beaucoup de clubs se sont bousculés pour le récupérer. Et pourtant, il est parti au Japon d'abord. Et aujourd'hui, il est le joueur qu'on connaît, sélectionnant l'équipe de France. Donc, tu vois, à un moment, il n'a pas eu peur d'aller tenter des choses, quoi. Ah ouais. Donc, de ne pas avoir peur de sortir des standards. Ok. Et sortir de sa zone de confort, ok, ça marche. Ouais. Ça marche. J'ai noté quelque chose qui m'a marqué lors de ton intervention justement avec le Paris Basket. Tu as parlé de ta relation avec ton agent et tu as expliqué que ton propre agent, parfois, il avait tendance à être plus ambitieux que toi, à la limite. Je te cite, tu avais dit, il me voyait là où je n'aurais même pas imaginé mettre les pieds. C'est peu commun comme situation d'avoir les pieds sur terre et d'avoir la lucidité de connaître plus ou moins ses limites. On a tendance à se voir un peu plus beau que ce qu'on est ou de vouloir aller plus haut, même si on sait qu'on ne peut pas forcément. Tu as toujours été comme ça et comment est-ce que tu expliques ça en fait? Bah, t'expliques ça parce que tu sais, je pense qu'il y a des joueurs talentueux de base à qui on fixe pas de limite. Il y a des joueurs un peu plus besogneux dont je fais partie. Et en fait, moi, je pense pas que ce soit un aveu de faiblesse en fait de regarder les choses en face. Et à un moment donné, moi, pour le basket, ça a toujours été une chance pour moi en fait. Je n'ai jamais vécu ça comme un droit en fait, en me disant que je dois aller en NBA ou je dois aller forcément en pro. J'ai toujours vu ça comme une opportunité et que me dire, en fait, ouais, ça se trouve, ça peut s'arrêter demain. Ça peut s'arrêter demain. Et du coup, de tout le temps ambitionné. Alors, je ne dis pas que c'est une bonne façon de voir, ça a été la mienne et je ne dis pas qu'elle était bonne ou mauvaise, j'en sais rien du tout d'ailleurs. Mais un jeune qui pense à la NBA, je dis que c'est très bien pour lui et c'est bien parce qu'il va s'en donner les moyens. Mais moi, ce n'était pas forcément le cas et je me disais, j'ai juste envie d'avancer et puis aller au plus haut où je puisse aller. Et puis, en tant que joueur, tu n'as pas forcément le regard d'un agent. Un agent, il regarde plusieurs championnats, il représente plusieurs joueurs, il peut faire la comparaison. À dire ouais, mais lui au même âge il était là, tu peux y aller. Il discute avec des entraîneurs, donc aussi il connaît ta cote aussi sur le marché. Il sait ce que les gens pensent de toi, donc il sait le gap que tu dois passer pour passer d'un joueur peu publicité ou un joueur intéressant à un joueur demandé de partout. Donc je pense que la différence, ouais, c'est ce qui a fait que je me suis passé que j'ai eu cette posture en tout cas. Ouais, ok, d'accord, je vois. Et par rapport au coaching, tu en avais parlé un peu de ta relation avec les coachs lors de la conférence. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus important chez un coach et qu'est-ce qui en fait justement un bon coach à tes yeux? Moi, pour moi, ce qui est primordial chez un coach, faut déjà qu'il aime ses joueurs. Faut qu'il aime ses joueurs parce que, comme je disais lors de la conférence sur le peur et le doute, un joueur qui se sent aimé par son entraîneur, il le ressent et forcément, il est prêt à donner un peu plus. Et aussi, un coach aussi, faut qu'il soit humain, quoi. Faut qu'il comprenne le joueur. Alors, faut pas qu'il tombe dans le gnangnan et la surprotection, mais qu'il faut comprendre qu'avant d'être un joueur, c'est un être humain. J'aurais aimé savoir si tu avais déjà pensé à ta reconversion et si oui, à partir de quel moment ça t'est venu? J'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé, pas forcément à ma reconversion en tant que telle, mais alors désolé, avoir un peu de bruit, je suis dans le salon, c'est l'heure du. J'ai toujours pensé, parce que ça rejoint ce que je te disais, c'est que j'ai toujours pensé que c'était une opportunité et pas un acquis. Donc, j'ai toujours eu dans un coin de ma tête en disant que le rêve ou la bulle peut éclater à n'importe quel moment, en fait. Ouais, je suis vraiment passé à l'action après ma blessure parce que ça m'a renvoyé à une réalité qui était présente, mais que je n'avais pas forcément encore côtoyée. Donc, tu voyais très bien hein, dans les magazines spécialisés, un tel s'est fait le tendon d'Achille, un tel s'est fait les croisés. Mais tant que ça ne t'est pas arrivé, en fait, tu prends pas conscience et tu prends pas surtout. Tu ne prends pas la mesure de la chose. Donc, du coup, moi, mon tendon d'Achille, ça a été un vrai déclencheur. Et donc, du coup, j'ai commencé vraiment à partir de ce moment-là.
Parce que déjà, j'ai mis 11 mois pour revenir à ma blessure tendinite, donc ça te laisse le temps de réfléchir. Hein. Ouais, ça te permet de réaliser aussi que bah, il y a peut-être une fin à un moment, quoi. Et puis ouais, et puis je t'ai dit, le basket, c'est vraiment énergivore. Et là, ça te laisse le temps de pouvoir penser à plein de situations possibles. Et donc, ça te met un coup de pied aux fesses. D'accord, ouais, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es capitaine du coup d'une équipe avec des bons jeunes. Le Paris Basket, c'est connu pour... Il y a des jeunes qui ont un bon potentiel. Comment ça se passe au quotidien en tant que capitaine? Tu essaies de les conseiller, de les guider? Ouais, c'est sûr. On a des gros potentiels. Alors, déjà au quotidien, on est dans la discussion. Tu partages l'expérience. Après, moi, je n'ai pas forcément de légitimité à aller conseiller un Sylvain Francisco parce que je n'ai pas été meneur de jeu. Donc, on va dire que je reste quand même dans mon domaine d'expertise. Donc, je suis plus en relation avec Ismaël Kamagaté, qui est en opposition avec moi toute la semaine. Donc, c'est quelque chose que tu vis assez bien parce que y a des choses que j'aurais aimé avoir, moi, à leur âge, que je n'ai pas forcément eu. Parce que tu te retrouvais, moi, parce que toute ma carrière, j'étais en opposition avec des joueurs américains. Et ce n'est pas des mecs qui s'inscrivaient forcément dans mon développement en tant que basketteur ou en tant que jeune homme. Donc, du coup, parce que c'est des mecs qui ne s'inscrivaient pas forcément à long terme, ni dans le club, ni dans le basket français. Donc, en fait, si tu veux, c'est intéressant d'avoir un jeune comme ça, surtout que c'est un vrai bon gamin. Ouais. Et respectueux, parce que ça, c'est important. Quand tu as, on va dire, entre guillemets, un vieux, et que tu as des jeunes qui sont irrespectueux ou qui ne sont pas à l'écoute, ou qui ont ce que les gens peuvent appeler la grosse tête, ça ne donne pas envie de partager, oui. Clairement. Parce qu'avoir un jeune qui passe par là où tu es passé, qui n'écoute pas ou qui ne fait pas preuve de respect, c'est frustrant. Parce qu'en fait, au final, on sait ce qu'ils ont vécu. Et puis, si on donne des conseils, c'est pour le bien. Et c'est bien intentionné, c'est bienveillant. Donc, je parle aussi beaucoup avec Joan Bégarin parce que c'est un jeune Guadeloupéen comme moi. Donc forcément, il y a de l'affectif parce que je me revois un petit peu. Il a encore l'accent. Je me vois un petit peu quand moi, je suis arrivé comme lui. Donc, même s'il est super bien entouré parce qu'il a son frère qui joue en JPI, ses parents qui sont avec lui, il a une famille qui est vraiment présente et qui vraiment l'accompagne au quotidien. Mais tu sais, c'est des petits conseils d'attitude, des choses comme ça. Et puis Ismaël, c'est plus des conseils, on va dire, un peu plus techniques, où je lui montre un petit peu, j'essaie de lui faire gagner un peu de temps sur un peu de vis, un peu de roublardise, des choses comme ça, des choses qu'on ne peut pas forcément apprendre quand on est un coach et que c'est des choses qu'on fait comme en tant que joueur, quoi. Bien sûr, puis venant d'une personne qui l'a vécu, c'est toujours plus, ça donne toujours plus envie d'écouter, j'imagine. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok. Et j'ai une petite anecdote assez drôle, du coup, sur ton compte Instagram, parce que quand je t'avais recherché, tu te définis comme étudiant alors que tu es quand même capitaine d'une équipe professionnelle de basket, ça fait rêver du monde, c'est assez étonnant. Moi, je me suis même demandé à un moment si je ne m'étais pas trompé de compte Instagram, pour te dire. Donc, je voulais te demander tout simplement comment ça se fait, enfin, c'est assez drôle comme situation. Effectivement, je suis étudiant à Union Business School où je fais un master en management, eux qu'ils appellent un PGMO parce qu'il est en online, mais il y a la version aussi en présentiel. Mais moi, un truc qui m'a toujours fait rigoler, c'est quand je voyais sur des Instagram pour basketball player, tu vois, ou pour hooper, tu vois, des trucs comme ça. Bon. Des trucs, ça me fait vraiment rigoler. Alors c'est pas une critique, hein. Les mecs mettent ce qu'ils veulent sur internet, mais enfin sur Instagram plutôt, mais ça m'a fait délirer. Et puis moi je l'ai mis parce que je fais partie du réseau de l'école. Mm-hmm. Et puis je suis étudiant, c'est aussi ma situation, quoi. Je rentre chez moi, je vois la console, j'ai des cours en ligne, etc. Donc c'est ce que je fais. Non, c'est cool, c'est vachement humble de ta part parce que, comme tu dis, il y en a plein. Un gars qui joue rien qu'en National 2, il peut te mettre basketball player alors que ouais, toi, tu as quand même une sacrée carrière et tu ne te rends pas forcément. Non, c'est sympa, ça m'a fait rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est peut-être pas le bon point. Et puis, honnêtement, je suis assez fier parce que c'est pas facile de concilier les deux. Et franchement, moi, c'est une vraie fierté pour moi de dire que je suis étudiant et quelque part aussi. J'espère que les autres sportifs ils voient ça et se disent attends, ce mec-là, on le connaît et tout, il a après ses études, il n'est pas plus malin que moi, donc si lui il le fait, moi aussi je peux le faire. Ouais. Non, c'est vachement bien. Et justement, je vais te demander, qu'est-ce que tu prévois pour ta reconversion? Tu as parlé de management, tu as déjà des projets en tête ou pas du tout?
Bah, honnêtement, en fait, quand je me suis... Le management, en fait, nous, les sportifs, en fait, on le vit au quotidien, parce qu'on est tout le temps dans la vie de groupe, et c'est une vraie fourmilière, parce qu'on voit tellement de personnalités, enfin, d'individualités, de personnalités différentes, qu'en fait, on a un panel énorme de comportements, en fait. Parce que peut-être tu côtoies tellement des coéquipiers qui viennent d'horizons culturels différents de toi, en fait, que bah, en fait, tous les jours, en fait, tu deals avec des individualités, des comportements, des égos, aussi des personnes avec des personnalités superbes, tu vois. Que moi, le management, pour moi, c'est un truc qui m'intéresse énormément et je pense que j'ai un atout aussi de par ma carrière. J'ai toujours aimé un peu le côté sport business. Je ne suis pas très intéressé par le côté coaching, entraîneur, etc. Ce n'est pas quelque chose qui me passionne. Parce que je pense que c'est une vraie vocation, en fait. Si tu veux le faire correctement, c'est vraiment, pour le coup, aussi une passion. Mais par contre, j'ai toujours été intéressé par ce que faisaient les directeurs sportifs, les GM, dans le marketing, etc. Dans la stratégie qui était mise en place pour le développement d'un club à long terme. Et en fait, quand je me suis renseigné, il y avait le DESS de Limoges pour devenir général manager. Mais tu peux le faire uniquement en présentiel, donc il fallait attendre de finir sa carrière. Et moi, je cherchais quelque chose vraiment qui me donne la capacité de me former pendant que j'étais joueur. Et en fait, j'ai postulé pour intégrer EMU, en fait, via ce programme de management. Donc aujourd'hui, en fait, on va dire que j'ai un champ des possibles beaucoup plus large que uniquement le milieu du sport, quoi. Bien sûr. Donc voilà. Mais donc non, 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 vraiment, je vais bosser dans le management, mais dans le monde de l'entreprise ou du sport, je pense que de toute façon, il n'y a pas. Les gens parlent souvent de sport-business, mais au final, pour moi, en fait, les deux sont totalement liés et que les postures que tu as dans le monde du sport sont totalement duplicables dans le monde de l'entreprise et vice-versa. Donc, il y a juste des spécificités de formation à avoir, etc. Mais je pense que tu peux être un venir du management de l'entreprise et être très bon dans le domaine du sport et vice-versa. Bien sûr, okay, ça marche. Et pour conclure, tout simplement, je voulais te demander, tout à l'heure, tu parlais un peu de pas avoir peur. Si tu devais donner un gros conseil à un jeune qui débute sa carrière de joueur, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je dirais que le basket, c'est important, mais c'est pas tout. Et pas oublier que c'est un jeu. Que c'est un jeu et que je pense que faut qu'il mette, faut qu'il, peu importe dans ce qu'il fait, faut qu'il mette la notion de plaisir au centre de toutes ses décisions. Parce que à partir du moment où tu prends plus plaisir à venir t'entraîner, à travailler dur, tu progresses plus. De mettre le plaisir, c'est-à-dire que de tout le temps, tu faut que tu sois un plaisir de venir à la salle. Faut cultiver le plaisir. C'est bien. C'est le plus gros conseil que je pourrais donner parce que c'est une flamme qu'il faut entretenir et si à partir du moment où tu la perds, tu ne peux plus la récupérer. Donc je pense qu'il faut toujours garder que ce soit en tête, peu importe le niveau auquel tu joues, c'est un plaisir. Et quelqu'un qui prend le plaisir de faire quelque chose, je pars du principe qu'il est forcément bon. Ça va tout seul, bien sûr. Je te remercie, c'est super gentil en tout cas.